Je suis Créateur des Mamino, créé Summer Game. Donc, comme promis aujourd'hui, nous allons faire notre nouvelle aventure dans Hearthstone en mode héroïque, donc le quartier militaire en mode héroïque. J'ai travaillé beaucoup pour pouvoir abattre ces boss. Vous voyez, j'ai trouvé trois decks prêtres pour le faire. J'ai mis, même avec cette deck-là, j'ai mis 4 ou 5 tries avant de pouvoir réussir à les battre. Comme d'hab, je vous mets la decklist sur le côté pour le mode héroïque. Donc là, je garde juste la destruction de mobs. Ça peut être utile. Donc. Je laisse passer mon tour. Je vais pas m'amuser à piquer ces mecs. Vu que si je lui pique, il commence à les blesser de base. Ah, il va me les booster. C'est assez cool. Hop là. Donc maintenant, je peux lui piquer. Si, si. Et je vais le booster de 2 points de vie, ce qui m'en fait une 1-9. 1-9 protect. Il lui inflige 4. Et un à l'autre. Alors, je vais soigner celui-ci. Je ne peux pas Et lutter. j'attaque Razuvios. Oh. Sa super épée qui inflige le double de dégâts au héros. C'est-à-dire que s'il me touche avec, il m'inflige 20. Ça tombe bien, j'ai un limon dans la main pour casser justement cette chose. Je détruis le limon, je redonne des points. Je détruis l'arme et je redonne des points de vie à mon protect. Enchaînement, bien sûr. Comme ça, il reste un PV à mon protect. Boum, il l'a tué. Ah, un deuxième détruire les serviteurs, avec trois au moins. Pouit, il décide de venir se détruire tout seul. Je le soigne. Malgré, t'aurais pu mettre la copine avec. Non. Je lui donne 6 points de vie. Parce que là, il va lui infliger 4. Voilà. Et enchaînement. Ça changerait, hein. J'aurais pas mis plus un point de vie. Ça sert à rien de sortir toute sa main contre ce boss, hein, je l'annonce. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Alors, j'ai pas de limon. Ah, voilà, top deck. Le limon pour lui détruire son âme. Et un autre marche-soleil. Détruit le 2-8. Donc on a une seule furie, ouais. Pour deux, on détruit celui-là qui va détruire ses copains d'à côté. Ensuite. Elle sert pas pour l'instant. On va mettre un protecteur d'Argus pour leur donner plus en plus un protec. Et je me soigne. Alors ça sert à rien de leur donner plus en plus un protec, mais. À cause de la capa qui inflige 4. Mais bon. Par contre, j'ai utilisé mes deux limons. Je n'ai plus après. Vas-y, c'est plus une escalade là qui me fait.
Donc, je pose L. Quelqu'un est blessé. Pour deux, je pioche. En gros. Une deuxième Nova. Dans la brèche. J'attaque lui. Ça le fait piocher, mais ça me fera piocher aussi. Ceci, ça le fait piocher, mais ça me fait piocher aussi. Tant qu'à faire. Et j'ai détruit mon protect pour ça. Et je suis en train de tâter, est-ce que je mets un sulfuré ou pas? Eh oui, je la mets, c'est toujours mieux. Au cas où qu'il ait une épée, ça, j'ai 26 points de vie, s'il a une épée, ça me fait plus que 6 points de vie. Baston, très bonne carte. Oui, mais reste que la sulfuré, c'est moche. Et c'est à mon tour de jouer. Donc, je vais me soigner de 3. Je joue elle, je me soigne. Je m'en charge. J'attaque directement ses points de vie. Et je m'en fous du reste. Oh. Tu m'as fait de m'en foutre du rêve, mais... Venez-vous battre, vermine ! Donc, pour deux, j'ai gagné un pote. La destruction de vie, il me pose une de mes cartes. Bonne carte en plus. Ensuite, je soigne elle. Non, je pose lui. Je soigne elle. Je m'en charge. Je tag directement ses points de vie. Et je détruis. Et c'est à lui. Ma Chris aurait pu buffer pour. Pour afficher plus de dégâts. Non. C'est très bien comme ça. Détruit lui. Je donne plus 2 à lui. Qui attaque directement les points de vie. Ça attaque directement les points de vie. Ça attaque directement les points de vie. Et je soigne ma guérisseuse. Ça sert à rien, mais on s'en fout. Allez. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je lui. C'est un bon protec. Je le vois. Je m'en charge. Et j'attaque directement ses points de vie. Il lui reste 11 points de vie et moi 22. Ça va pour un combat qui commence à 55-30. Je soigne mon protect, de toute façon ça sert à rien, mais c'est pas grave. Hop! C'est juste dans le principe. Et il lui reste 3 points de vie. S'il met pas de protect, 3 points de vie c'est juste assez avec mon. Avec mon infernal. Bon bah lui il est mort. Coup. Donc, par principe, je me soigne. Et pour principe, je tue lui comme ça nettoie la table. Je poursuis et je lui inflige les 3 derniers points de dommage. 5 tryers pour réussir à faire ça. Et qui va former mes chevaliers de la mort maintenant? Je ne peux pas le faire. Je suis super occupé. Donc on va passer à Gothic. Donc j'ai un deck fait pour. À chaque fois, c'est des decks exprès.
pour ses boss. Anduin contre Gothic le moissonneur. Le serviteur ne meurt jamais vraiment. Donc toujours la decklist, hein. Gothic, son pouvoir est un peu à chier. En fait, il est obligé d'utiliser un mana pour piocher une carte et prendre un cristal. Tous les tours. C'est-à-dire qu'au bout de 10 tours, il a pioché au total 20 cartes. Sans compter les effets de cartes, tout ça. Alors, on peut jouer là-dessus. Moi, j'ai pas choisi cette option-là. Mais on peut jouer sur le burn. Par exemple, on peut jouer les épées 4-4, on peut jouer le murloc. Donc là, mon petit gars, il va mourir. Donc je pose celui-là. Je lui mets plus de PV. Et je mets 1 à ses points de vie. Donc il meurt, donc il met 1 à tout le monde. Et il est obligé de piocher. Le petit cercle jaune, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo d'Héroïque, le petit cercle jaune, ça veut dire obligatoire. C'est le premier truc qu'il fait obligatoirement au début de chaque tour. Donc, je joue la claire. Je soigne comme ça, je pioche. Une carte. Je lui mets son +1/+1. En fait, là, c'est une stratégie. J'inflige 1 à tout le monde et 2 grâce au golem, à l'abomination. En avant, on y est. Donc, c'est à mon tour. Je me prends 1 à cause de mon mini-mage. Je mets mon abomination. En fait, là, il me détruit mon abomination. Ça tue son machin et son petit gars. Sauf qu'il me le fait au sort. Ce qui fait que son gros 5-4 n'est pas mort. Là, il décide de mettre du monstre. Sauf que grâce à lui. Bon, bah, en plus, voilà. J'ai récupéré. Il me reste 3 mana, une seule furie. Voilà. En fait, pourquoi je fais ça, c'est pour obliger à attaquer ses propres monstres, en fait. Vu que c'est des monstres qui m'infligent des dégâts. Le mec, il a 40 points de vie, il fait des drains de vie. Voilà, comme ça je me prendrai un point de vie en moins par tour. Et me repose. Voilà, comme ça je me prendrai plus de points de vie. Il me repose du mec. Donc je lui sors un autre. Voilà. Je vais me rendre protec. Comme ça, c'est fait. Je m'en charge. Ça, voilà, et je peux m'amuser à tuer son gros. Et bien sûr, je soigne mon gnome. Donc, c'est pour ça piocher. La fin du combat, il va plus avoir de carte. Hein. Sortez vos morts. C'est totalement normal, c'est un deck assez lent, exprès. Un deck qui peut résister, qui. Ouais, il décide de détruire au début de son tour les deux de méga. Ce qui m'embête un peu parce que j'ai un Argus, donc j'aurais bien voulu me séparer d'un de mes deux. Bon. Qui êtes-vous ? Mais je joue un peu n'importe comment. Hop. Je ne peux pas contrôler. Il reste un PV chacun.
une petite flamme sacrée là-dessus. Je me soigne. Je m'en charge. Et elle attaque ça. Et attaque directement les points de vie. Donc là, lui aussi, il va se prendre des 1 de chaque début de son tour maintenant. On y est. Moi, je prends 2. Sauf que c'est 2 que je peux booster. Allez, ça devient des 1-7. Et puis j'en mets 1-7-7, tant qu'à faire. Je soigne la sulfurie qui détruit ça. Et il reste 31 points de vie, enfin 30. Mais en fait, j'essaie d'éviter qu'il y ait trop de monstres sur table pour éviter de me faire déborder. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Les s'amuse à me changer mes trucs. Je me prends 3. J'ai une carte qui me sert à rien dans la main. Je m'en charge. Voilà, ça a infligé 2 à tout le monde. Ce qui fait que moi je récupère. Je perds un mec et je récupère un mec. Donc je perdrai quand même mes 3 chaque tour. Voilà. Et je me soigne de 2. Le combat est pas plus dur que ça. Enfin pas plus dur. Il est dur. Mais il est dur, mais gérable. Je me prends 3. En fait, faut avoir de la chance au tirage. C'est surtout ça. Je me tâte. Avec les cris des chevaliers. Voilà. Et j'ai des trucs comme ça. Et ça, je peux attaquer directement ses points de vie. Et je passe mon tour. Mais en fait, je m'amuse à lui laisser ses. Son gros. Enfin, son 0-1 là. Qui m'affiche pas. Et là, il a reset mes trucs. Comme ça, j'ai plus besoin de chercher. Je détruis comme ça. Lui, je détruis comme ça. Et j'attaque, il reste 5 points de vie. Enfin, 4. Et il lui reste 4 points de vie, moi, 16. En avant! Vous allez adorer ma nouvelle recette. Et il m'a donné ce qu'il faut pour le détruire. Mais par coquetterie, hein. En avant. Voilà. C'est une dernière partie où j'ai pas fait vider son deck. Mais c'est faisable. Ça, c'est faisable. Et pourquoi Gothic ne reviendrait pas sous forme spectrale? Allez, quoi? C'est pas faisable, ça m'est arrivé pendant les trails. Mais toutes les. On peut le tuer au deck en jouant toutes les cartes qui font plus adversaire. En duel contre les 4 cavaliers. On joue en druide. En détruisant ses serviteurs pour 1. En jouant le Murloc. Et les épées. Ça fait 6 cartes qui font piocher adversaire. Et au total, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 10 cartes. Donc tour 1, bah je fais rien. Alors ce pouvoir, ce héros a 2 pouvoirs. Déjà il commence avec 3 serviteurs, 2 sets. Qui le rendent chacun invulnérable. Donc
tant qu'ils sont pas tous morts ou tous silencés, il prendra rien comme dégâts. Deuxième pouvoir, c'est son pouvoir héroïque qui coûte 5 et je pioche 2 cartes. Je sais, 5 et 2 cartes, c'est pas top, mais bon. Je me soigne. C'est ce que je fais. Il me met 2 secrets. Un petit docteur. Quelqu'un a demandé un docteur. J'ai niqué son piège parce que son piège dit qu'il met mon serviteur à 1 point de vie. Il était déjà à 1 point de vie. Donc un serviteur 2-5. Il en fiche 4. Il dit qu'il va mourir. Ah, il me reste 10 points de vie. Hein. Oh my god, 10 points de vie. Tour 5. Quelqu'un est blessé. Pour un. Il soigne le copain là. Ok. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Et je détruis celui-là. Secret. Il donne plus 3, plus 2 à un autre de ses serviteurs. Par vengeance. Là, j'ai juste récupéré des points de vie parce que j'en ai besoin. Il faut que j'attende 2 tours avant de pouvoir faire la combo. Parce qu'en fait là j'ai une combo en main qui me permettrait de tuer son dernier serviteur. Parce que faut attendre. Pouf, ça changera rien à ma life. Il m'affiche 5. Ah ben, il me reste 1 point de vie. Donc maintenant je peux le faire. J'utilise Alchimiste pour échanger ses points de vie et ses points d'attaque. Et je peux le flammer comme un gros porc. Et donc récupérer 5 points de vie. Donc remonter à 6. Il met un piège qui est trop tard. Et une petite consécration. Et c'est à moi de jouer. Donc je mets le Medicine Man. Donc il n'y a toujours que 1 PV. Ça change pas. Je mets le tauren et j'infuse. Il détruit ma 2-1 et il regagne 2. Ouais. Et il pioche. Ce qui est bien, c'est que là pour l'instant il fait rien. Je soigne pour éviter le coup de. Pour 1, je t'affiche 1 et je pioche une carte. C'est bon, il y a toujours le pour 3, je t'affiche 4. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est juste parce que j'ai voulu jouer trop vite. Donc il réduit au silence un serviteur, mais on s'en fout parce qu'il blesse plus mes serviteurs. Et
Et donc il dit à ma 4-5 qu'elle va mourir au début de son prochain tour. Et j'adore récupérer des points de vie. Je remonte à 15. Et lui inflige 5. Donc là il est presque mort, hein, honnêtement. Alors dans ma decklist, j'ai... je sais plus comment ça s'appelle. Pour 4, je silence tout. C'est EKO que j'arrive pas à tous les tuer, j'ai silence et puis j'attaque directement dans ses points de vie. Donc voilà, j'ai gagné. Voici quel tour il m'a déçu ton quartier militaire à niveau normal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que moi ça m'a bien fait kiffer de la faire pour vous. J'espère vous retrouver très vite sur Hearthstone, donc la semaine prochaine pour le nouveau quartier. Et peut-être d'ici là quelques petites vidéos de présentation de decks si j'arrive à trouver des decks un peu sympas, des nouveaux decks un peu sympas. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, amusez-vous. Et bon jeu à tous!